Philippe, bonjour. Bonjour. On va parler de l'UNFP et de l'hommage à Louis Nicolin qu'elle va rendre ce vendredi soir à la Mosson pour la rencontre MHSC-ASSE. Donc déjà, pour planter le décor, un petit rappel sur ce qu'est l'UNFP. L'UNFP, c'est le syndicat des joueurs de foot, donc Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Ça a été créé en 1962 pour défendre les intérêts des joueurs. Aujourd'hui, on est 50 salariés, il y a énormément d'anciens joueurs qui travaillent à l'UNFP. Peut-on vous qualifier comme bras droit de Sylvain Constant-Dutch à l'UNFP, en tant que délégué régional dans le sud-est de la Corse et la Corse? Je pense que Sylvain a beaucoup de bras droit. C'est vrai qu'il a bâti une équipe, on va dire, plus jeune et qu'il a confiance en quelques personnes. Et chacun se dispatche soit des régions, soit des services, puisqu'en plus du syndicalisme, on s'occupe aussi des services de formation, reconversion ou de finances. Mais c'est vrai qu'on peut dire ça, voilà, c'est gentil. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, quand est-ce que l'UNFP a-t-elle décidé de rendre un hommage concret à Louis Nicolin? Et donc, sous quelle forme vous allez nous présenter ça? Vous en dire un peu plus. Dès le décès de Louis Nicolin, c'est justement sur l'initiative de Sylvain Castaldolge, notre co-président, qui nous dit bon, ça serait bien de marquer le coup, parce que c'est quand même présent un président atypique. On n'a jamais fait ça pour aucun président. Je pense que c'était un président proche des joueurs, que les joueurs qui jouaient au club du MHSC et les joueurs qui jouaient même ailleurs étaient sensibles au discours et au personnage. Et donc on a cherché ce qu'on pouvait faire pour Louis Nicolin. Et l'idée est venue toute naturellement de dire, par rapport à sa collection, par rapport à son amour pour les maillots, c'est-à-dire, et si on lui récupérait un maillot de chaque joueur? Après, il fallait récupérer les maillots. On a fait signer les maillots par tous les joueurs de tous les clubs. Et puis trouver un moment, donc j'ai vu avec le club, pour trouver un moment pour le remettre de manière assez symbolique et solennelle. Et puis ce match de Saint-Etienne s'est avéré être une évidence, d'autant plus que Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps font partie de l'équipe adverse. Donc il y aura un maillot de chaque équipe de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sera offert vendredi, c'est ça? Voilà. Et donc, comment ça va se présenter? On a pensé donc avec le club de dire on va inviter les anciens joueurs. Une quarantaine d'anciens joueurs qui porteront tous sur le dos, pas enfilé, parce que je pense que les maillots ont rétréci ou les joueurs ont grossi, je ne sais pas encore bien. En tout cas, on va tous porter le maillot sur le dos, on va rentrer sur le terrain, on va se mettre autour du rond central et puis on donnera les maillots à Laurent. Puis les anciens joueurs seront contents de refouler la pelouse de la Mosson et puis de faire un mini tour d'honneur. Quel souvenir vous gardez de Louis Nicolin? Ah, je pense qu'il faut mettre des S aux souvenirs, mais on garde des moments forts, je pense, de convivialité, de familial. Je pense que c'est surtout dans son mas, les réceptions dans son mas, l'amour qu'il portait à tout le monde, les connaissances qu'il avait de toute la famille, c'est-à-dire qu'il connaissait bien le joueur, bien sûr. Et Colette aussi était proche des femmes et des enfants, donc ça, c'était vraiment cet esprit familial qu'on prône et qu'on met en avant au MHSC. Et après, je pense que les souvenirs que j'ai, c'est quelques gros coups de gueule sur des matchs importants et puis des diverses anecdotes. Mais voilà, je suis quand même resté 7 ans ici. Oui, vous disiez que c'était un hommage qui n'avait jamais été rendu pour un président. Vous en avez connu quand même un autre important, c'était Carlo Molinari au FC Metz. Vous avez passé quelques années. C'était un emblématique aussi, mais bon, déjà, il n'est pas mort, donc ça, c'est déjà une bonne chose pour lui. Mais je pense que ça ne se fera jamais. Je veux dire, l'ensemble des joueurs, on parle de Louis Nicolin, tout le monde a été attristé, choqué. Il y a eu un pincement au cœur par rapport à ce personnage important du football. Qu'allez-vous ressentir au moment de l'hommage de vendredi soir? Car ça implique l'UNFP où vous travaillez et un club où vous avez passé... nombreuses années aussi. Je pense que l'émotion, elle a été forte au moment du décès de Loulou. L'émotion a été forte au moment de l'enterrement. La 74e minute que les supporters ont décidé de marquer à chaque fois, je pense que c'est un moment fort. Moi, chaque fois que j'y vais, que j'entends ces applaudissements, ça me marque. Là, ça sera un moment émotionnel et oui, ça sera particulier. Mais c'est vrai que c'est plus un hommage. Je pense que il n'y a pas de pathétique, c'est l'hommage à un grand homme. Comment s'est mis en place votre intérêt et votre implication à l'UNFP après votre carrière? Disons, ce n'est pas après la carrière en fait. L'UNFP fonctionne avec des joueurs au sein du club qui sont des repères, des référents. Nous, on appelle ça des délégués.
et ça veut dire des gens qui ont un intérêt pour le syndicalisme. Donc moi j'ai été tout naturellement, je ne me rappelle pas de mes débuts, mais délégué quand j'ai joué à Strasbourg, puis quand j'étais délégué à Metz, puis à Montpellier. Puis j'ai connu l'UNFP à travers un dépôt de bilan du club d'Abbeville, ça m'a toujours intéressé. Et puis quand j'ai arrêté ma carrière avec Montpellier Hérault, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de travailler au groupe Nicolin. J'y suis resté quelques mois. Et l'UNFP crée justement un poste de délégué régional en l'occurrence, crée un poste pour redynamiser l'adhésion, rapprocher le joueur de son syndicat. Et ils ont fait appel à moi et tout naturellement je suis venu à l'UNFP. Une fois par mois, lors des avant-matchs, vous vous remettez les trophées de joueurs du mois en Ligue 1. Votre regard sur la saison de Benjamin Lecomte, qui a été nommé pour ce trophée une fois cette saison, qui est gardien comme vous avez été durant votre carrière. Alors effectivement, une fois par mois, je remets les trophées déjà dans le sud, soit de la Ligue 1, soit de la Ligue 2. Donc un petit clin d'œil aux amis nîmois, puisque hier j'étais à Nîmes pour remettre le trophée de Bozoc. Concernant Benjamin Lecomte, c'est vraiment une véritable surprise. Je savais que c'était un bon gardien, mais à ce niveau-là et ce niveau de performance continuelle sur la saison, moi je regarde vaguement ce que votent les joueurs pour les trophées UNFP. Je peux vous dire qu'il est cité, mais régulièrement, il sera à pas douter dans les quatre meilleurs gardiens, peut-être plus, mais en tout cas, il a été cité à sa juste valeur. Et tout le monde, je peux vous dire, dans n'importe quel club, il pense automatiquement à lui. Donc il a vraiment marqué cette saison de son empreinte. Le foot, du moins votre carrière, s'est terminé professionnel, s'est terminé il y a presque 20 ans. Mm-hmm. D'accord pour ressortir la boîte à souvenirs? Ah, ça fait 20 ans déjà. 99, ouais. 98, 99. D'accord, ouais. Non mais ça passe, c'est incroyable comme ça passe vite, c'est ça que je voulais surtout dire. D'une famille de menuisiers, vous étiez donc destiné à finir dans les bois? Ah ouais, voilà, c'est ça. Sachant que dans les bois, il y avait déjà eu mon grand-père, mon père et moi, donc, et mon fils. Donc on était 4 générations à être dans les bois. Ouais. Donc, plutôt côté FC Metz au début. Ah c'était oui, votre cœur qui penchait vers les Grenats. Ah ouais, et il penche toujours vers les Grenats, mais côté FC Metz, parce que bon, c'était l'anecdote, j'étais vraiment boulevard Saint-Symphorien. Je suis né au boulevard Saint-Symphorien. Et même si personne ne connaît Metz, Saint-Symphorien, ça résonne dans les oreilles même d'un sudiste. Donc j'étais toujours attiré par le FC Metz, où j'ai fait... De tout petit, j'ai fait 14 saisons entre les poussins et le professionnalisme. Donc moi, je suis messin vraiment de cœur. Votre premier souvenir de la Mosson en tant que joueur et de la paillade remonte à quand? C'était peut-être sous les couleurs de Metz ou Strasbourg? Non, les premiers souvenirs vraiment que j'ai, c'était les souvenirs de quand j'ai signé à Montpellier. Avoir joué avec Metz ou avec... avec Metz, c'était après. Donc avoir joué à Strasbourg, à Montpellier, non, j'ai pas de souvenirs. Non, c'est vraiment les souvenirs, c'est quand j'étais à Montpellier. Vous faites un premier passage, puisqu'on y vient, d'un an au MHSC, lors de la saison 90-91. C'est Henrik Kasperja qui vous avait fait venir, puisque vous l'aviez eu à Strasbourg, je crois, en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est exactement ça. L'opportunité a été par Henrik Kasperja, qui me propose de venir jouer à Montpellier, remplaçant de Claude Barabé pour l'année européenne, puisqu'ils avaient un problème de gardien de but cette année-là. Donc ils cherchaient un deuxième gardien expérimenté qui pouvait venir jouer l'année, l'épopée de la Coupe d'Europe. Et pour moi, ça a été assez magique, puisque je suis passé d'un club comme Abbeville, qui était en dépôt de bilan, où les salaires ils étaient dérisoires, et les performances aussi, à pouvoir signer à Montpellier Hérault avec des joueurs emblématiques comme la fameuse équipe de 90, et je me suis retrouvé à être sur le banc certes, mais en quart de finale de Coupe d'Europe, et j'ai gardé des souvenirs exceptionnels de cette période-là. Ensuite c'est un parcours à Metz de plusieurs saisons pour l'enfant voilà. Né boulevard Saint-Symphorien. Voilà, donc c'était la revanche, je retournais sur mes terres, donc c'était formidable de pouvoir jouer au FC Metz avec toute ma famille qui était en permanence dans les tribunes, puisqu'ils étaient avant que je joue, Même ma grand-mère avait des abonnements au FC Metz, donc j'ai joué 3 ans à Metz. Puis à la fin de mon contrat, Montpellier m'a rappelé pour revenir jouer ici. Puis j'ai signé 2 ans, puis 2 ans, puis 2 ans, et puis une reconversion dans le groupe Nicolin. Et puis et c'est comme ça qu'un Lorrain finit par habiter à Latte depuis presque 20 ans. Vous avez joué à Latte? Oh, j'ai joué à Latte, voilà, pour dépanner le club, ouais. Donc on revient deuxième passage au MHSC, vous évoquez le club, vous rappelle, en 94-95. Mm-hmm. C'est suite à une finale de Coupe de France. Première saison, 19 matchs chacun avec Claude Barabé. Vous pouvez nous resituer un peu le contexte et la teneur de cette saison pour collective et personnel, puisqu'il y a les matchs sont partagés entre vous deux. Voilà, les matchs sont partagés. C'est surtout je me rappelle ce moment-là, puisque Claude était titulaire.
encore, puisque 3 ans avant que je suis parti, il était déjà titulaire. Et Claude ne fait pas une très belle saison. Moi, l'équipe non plus. Et puis j'ai une opportunité à un moment de jouer en Coupe de, les souvenirs, Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Claude Barabé se fait expulser en plein match. Je rentre, j'arrête un coup franc, j'arrête un pénalty, on se qualifie. Claude est suspendu un ou deux matchs suivants. Et les deux matchs, je fais des bonnes performances. Et l'entraîneur donc en profite pour ne plus faire rentrer Claude. Donc moi, je termine la saison quasiment avec Montpellier, puisque j'avais fait une bonne performance. Et j'enchaîne derrière 18 matchs, comme vous dites, je n'avais pas les chiffres. C'est une saison après une finale de Coupe de France. Michel Mézy remplace Gérard Gilly en cours de saison. Mm-hmm. Il est toujours au club. Mm-hmm. Vous avez connu quelques entraîneurs, j'imagine, avec Jean-Louis Gasset aussi, que vous avez connu après, qui vient ce vendredi à la Moisson. Mm-hmm. Michel Mézy, Jean-Louis Gasset, un petit mot sur les deux. Michel Mézy, je dirais que c'était le discours. La première fois que j'ai entendu parler, je pense que, et l'équipe, c'était pareil. On n'était vraiment pas en bonne posture au niveau du classement. Il nous parlait, je pense qu'il nous aurait demandé de monter à l'arbre, de monter au poteau ou d'aller sur la lune. On y allait. Et c'est ce qu'on a fait. On est passé de 18e, 19e. Je crois qu'on a terminé presque en intertoto, quelque chose comme ça. Il avait un discours qui nous hérissait le poil. Il avait une motivation. Et je pense que Michel Mézy, c'est vraiment le meneur d'hommes. Jean-Louis Gasset qui vient à la Moisson. J'ai du mal à dire Jean-Louis Gasset sans dire Ghislain Printemps, parce que moi, mes affinités, ça a été Ghislain, puisque Ghislain, ça a été quand même l'entraîneur des gardiens. Donc j'ai eu 7 ans Ghislain Printemps, et c'est plus qu'un entraîneur, puisque c'est vraiment un ami. Et je dirais que Jean-Louis et Ghislain, c'est des tacticiens. Je pense qu'ils ont le même football, ils ont la même vision du football, ils sont en permanence dans la recherche de la perfection. Et par contre, les trois ont point commun un humour corrosif. Michel Mézy aussi, on va faire un petit rapprochement de l'histoire. C'est dans les années 70, il y avait Henri Michel, mm-hmm. Jean-Michel Larquet, mm-hmm. et Michel Mézy, un peu les garants du beau football français à la Nantaise, de Nîmes et de Saint-Étienne. C'était, malheureusement, il y a eu la disparition d'Henri Michel. Mm-hmm. J'imagine que ça attriste l'UNFP, le FC Nantes et la famille du football français. La disparition d'Henri Michel, elle a marqué, parce que on en entend parler depuis hier. Tout d'un coup, l'annonce a marqué. On voit les journaux qui reprennent ça, l'équipe qui fait des premières pages. Nous, on a mis ça sur le site. C'est vrai qu'Henri Michel, c'est le football à la Nantaise. C'est le charisme le charisme du joueur, c'est la classe. Et c'est vrai qu'il était accompagné d'anciens joueurs, de joueurs de l'époque qui ont marqué, et dont Michel Mézy en fait effectivement partie. C'est vrai qu'un petit Lorrain connaissait Michel Mézy, Jean-Michel Larquet ou Henri Michel. Après cette première saison, avec un nombre assez important de matchs, les trois suivantes, c'est un peu dans l'ombre de Bruno Martini qui arrive au club. Mmh. Avec plus ou moins de matchs joués, 2, 6, 7. Mmh. Comment ça se passe pour vous, ce rôle dans l'ombre d'un gardien de légende du foot français? Disons que ma carrière, elle était vraiment entre ombre et lumière qui se sont alternées, ça n'a pas été linéaire. Et je me suis retrouvé doublure de Bruno Martini. Bon, j'avais pas envie d'être doublure de Bruno Martini quand il est arrivé. Et je suis tombé, hélas pour moi, sous le charme du personnage, parce que Bruno, c'était la classe, c'est la gentillesse. Il était là à me conseiller. Il était, même si on n'avait pas un âge, du moins une différence d'âge différente, moi j'ai toujours dit, bon, c'est dommage que j'ai pas connu Bruno au début de ma carrière. Et il aurait vraiment pu canaliser mon impatience. Donc j'avais envie de jouer, j'ai toujours mis la pression sur Bruno, mais Bruno avait les épaules assez larges pour continuer à garder les buts du Montpellier Hérault. Et donc chaque fois qu'on faisait appel à moi, j'étais plutôt bon. Donc j'avais un rapport, j'avais surtout un rapport dans le groupe de cohésion, d'animation. Et quand on faisait appel à moi, j'étais présent, mais je respectais le choix des entraîneurs, parce que Bruno c'était la classe. Bon, c'était l'époque un peu des maillots un peu bariolés au niveau couleur. À ce qui paraît, on m'a raconté, il y avait des couleurs qui repoussaient un peu les ballons et d'autres qui les faisaient un peu plus rentrer dans les buts. Ça vous parle, ces histoires? Vous racontez une anecdote assez incroyable du foot. C'est vrai que je lis souvent, ou j'ai souvent lu des articles justement de Nicolin ou de Mézy qui parlent de cette anecdote où effectivement le club avait embauché un mage pour qu'on devienne invincible. Donc l'équipe de foot de Montpellier a joué en jaune à Lisbonne. Moi, je devais jouer en bleu, mais
le bleu, il fallait couper les manches, couper le col, c'était assez incroyable. Et c'est vrai que ça a été une anecdote qu'on a vécue ensemble, qui n'a pas duré longtemps, heureusement, mais où tout d'un coup on s'est dit, pour gagner des matchs, qu'est-ce qu'il faut? Ben, à ce moment-là, il fallait un match, donc ça n'a pas marché non plus. Donc vous étiez de ce fameux match au Sporting Lisbonne où il fallait que tout le monde soit en jaune. Bon, vous n'étiez pas en jaune en tant que gardien, mais... Non, mais moi j'étais en bleu, mais le maillot, il bleu, il n'était pas quand même assez suffisant pour faire des arrêts. Et je me rappelle avoir coupé les manches, avoir coupé le col, et avoir mis un maillot jaune sous le maillot. Et là, le maillot, il était suffisant pour pouvoir faire les arrêts nécessaires. Mais on a quand même perdu 1-0. Et c'est vrai que cette anecdote, elle est complètement incroyable. Et moi, si je raconte là, voilà, en soirée, je plais à raconter cette anecdote qui fait toujours rire beaucoup les gens. Dernière saison de professionnel, vous prenez la place de Bruno Martini à partir de la 10e journée. Mmh. Il connaît peut-être un petit coup de moins bien, ou il subit les conséquences d'un 5-4 à Marseille après avoir mené 4-0, je ne sais pas trop. Toujours est-il que vous prenez les buts à partir de la 10e journée, puis la fin de carrière se termine d'une manière douloureuse. Ben c'est vrai que là, Bruno connaissait un petit fléchissement, donc Jean-Louis Gasset vient me voir en me disant « bon, t'es prêt ?» Bon, moi j'étais toujours prêt, donc il me dit « t'es prêt ?» Ben oui, je suis prêt. Donc il me fait jouer, mais comme souvent quand je joue, ben, ça se passe bien, et j'enchaîne les matchs. Et un jour, à la Mosson, sur un duel avec, je crois que c'était Florian Maurice, j'ai rupture du ligament croisé. Donc l'anecdote est intéressante aussi, puisque le match aller, c'est le fameux 4, où Montpellier gagne 4-0 et on perd 5-4 à Marseille. Et le match retour, c'est Marseille, où Louis Nicolin était à fond sur ce match-là, dans l'attente d'un résultat. Et on s'incline contre quand même le grand Marseille, on s'incline 1-0 à domicile. C'est pas c'est pas la honte, mais bon, on perd quand même. C'est là que je fais une rupture du ligament croisé, mais je sais pas encore que j'ai cette rupture, donc j'ai mal au genou. Et on a encore un match à jouer à Toulouse avant la trêve, avant Noël. Et personne me dit que j'ai le ligament croisé cassé. Donc on fait style que j'ai une petite entorse normale, et parce que Louis Nicolas, il nous avait défoncé dans les vestiaires après avoir perdu contre Marseille. Et on s'est dit, mais on va prendre une revanche à Toulouse, on va battre Toulouse, et on dit à personne, et on va être on s'est tous unis contre Loulou pour gagner ce match. Et on a été gagner le match à Toulouse 5-2. J'ai pas été très brillant, mais de temps en temps je voyais que sur une sortie aérienne je tombais, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas ce que c'était. Et ni le kiné, ni le coach m'avaient dit que c'était les ligaments croisés. Et donc, je ne savais pas non plus, mais c'était mon arrêt de carrière, c'était ça, c'était mon dernier match. Vous avez pu terminer le match, ou ça c'est au bout d'un moment Non, j'ai terminé le match. J'ai terminé le match, je suis parti en vacances, je suis revenu, j'ai fait de la réathlétisation. Je pensais pouvoir jouer comme ça, et là, j'ai pas pu jouer. Ça a été, je ne savais pas que c'était la fin de ma carrière, puisqu'après, il y avait Stéphane Cassard qui est venu. Et puis les bons jeunes, c'était Rudy Rioux et Rémi Vercoutre. Donc je me suis retrouvé de numéro 1, enfin, que j'avais acquis à la force du poignet, à numéro 4. Et puis là, j'ai préféré voir avec Loulou pour dire, bon, je préfère arrêter. On a parlé de reconversion et j'ai mis un terme volontaire à ma carrière. C'est pas mal de pouvoir arrêter sur décision. C'est le regret quand même de la carrière de terminer sur une blessure, alors que cette place de numéro 1 avait été un peu rendue accessible. Ouais, c'est le regret de... Bon, j'avais quand même 36 ans, 37 ans, En fait, terminer sur une blessure, avec une proposition de reconversion, c'est moins douloureux que terminer parce que le club vous veut plus, parce qu'on vous propose rien, donc... Non, c'est... Ça a été... Puis j'ai bien vécu l'après-carrière, donc... Donc voilà, donc j'ai pas de regrets. Du tac au tac, quel est le match ou les matchs que vous gardez vraiment en mémoire sous les couleurs du MHSC ou face au MHSC? Sous les couleurs du MHSC, il y a un match que je garde obligatoirement dans les yeux, dans mon cœur, c'est la fameuse... Et alors que j'ai joué pas, c'est la fameuse défaite contre Nîmes en demi-finale de Coupe de France, où on avait ce groupe qui était formidable, et on se dit, punaise, on va vraiment faire quelque chose, et puis aller en finale et perdre à Nîmes, même remplaçant, ça me marque encore aujourd'hui, donc j'imagine mes collègues joueurs.
Après, le match le plus important que j'ai fait, bon, c'est une petite particularité sur le match de Coupe d'Europe puisque j'en avais pas joué. J'ai un match en mémoire à Saint-Étienne où j'étais invulnérable et invincible, mais j'ai pas de match en particulier qui sont soldés par. J'ai pas d'anecdote particulière. Bayern Munich, ça vous parle pas? Bayern de Munich en amical là. Bayern de Munich, un petit dégagement. C'est ça, dégagement. Non, quand même assez atypique de jouer le grand Bayern de Munich en amical au Pontet. On avait joué le Bayern de Munich. Ouais. Non, ça m'a pas trop. Le match amical, ça a moins d'importance. C'est quand même, ça reste un match. Je pense que moi, c'est la période où on s'est qualifié en intertoto, où là j'ai joué tous les matchs. On avait joué Hambourg, Bistrita, on découvrait l'Europe. On allait en Roumanie, on allait dans des hôtels incroyables. C'est cette épopée-là qui m'a marqué, parce que là j'étais vraiment titulaire. On s'est qualifié et il y avait plein d'anecdotes et de vécu dans le groupe. Le ou les joueurs qui vous auront marqué durant votre carrière? Ici ou ailleurs? Les joueurs qui m'ont marqué. À Metz, j'avais joué avec Anthony Bafoué, un Ghanéen qui avait une classe sur le terrain incroyable et une classe dans la vie incroyable. Donc Anthony Bafoué qui m'avait vraiment marqué. Pour des autres raisons, il y avait Ibrahim Bagayoko qui m'a marqué ici, parce que je me suis retrouvé avec un petit Africain dans la chambre en réserve. Et puis j'ai vécu l'arrivée d'Ibrahim Bagayoko dans ma chambre et j'ai vu sa transformation. Donc c'est ça qui m'a marqué. Puis après, ce qui m'a marqué, c'est les histoires d'amitié que je peux conserver encore avec des gens comme Jean-Christophe Rouvière qui était vraiment mon partenaire privilégié au sein du club et que j'ai gardé des amitiés fortes après ma carrière. L'anecdote de vestiaire. Une anecdote jamais racontée, c'est qu'on était parti en stage à Rodez. On allait tous les ans en stage à Rodez avec le Montpellier Hérault au golfe de Rodez. Et le soir, pour déconner, on avait piqué la voiturette du golfe. Donc on était parti deux par deux en voiturette, et on faisait des courses de voiturette. Et moi, j'étais justement dans la voiturette d'Ibrahim Bagayoko, qui lui n'avait pas le permis à l'époque, ou qui prenait le permis. Et puis on a fait une course, je pense qu'il y avait deux là dans une autre voiture. On a fait une course et nous, on s'est planté. C'est-à-dire que notre voiturette, elle est descendue, Ibrahim n'a pas freiné, et on s'est retrouvé planté dans un arbre en pleine nuit avec les voiturettes du golf. Et on ne savait pas comment le dire aux entraîneurs, aux directeurs du golf. Puis finalement, là, on l'a un peu soudoyé pour dire voilà, on vous paye les réparations, mais s'il vous plaît, ne dites rien. Certains avaient des plaies qu'il fallait cacher le lendemain matin à l'entraînement, mais en tout cas, ça a été une anecdote drôle à vivre et gardée secrète jusqu'à aujourd'hui. Pour conclure, est-ce que Louis-Nicolas aurait été fier de la saison de son équipe? Ah ben je pense qu'il aurait été fier de son entraîneur, puisque il a fait quand même revenir Michel et Franck avant qu'ils décèdent. Il aurait été fier, mais la saison n'est pas finie et il les aurait bougé le cul pour qu'ils se qualifient pour au moins la 5e ou la 6e place. Laurent, Nicolin, a repris les rênes. Quelles sont les relations que vous entretenez du coup avec lui? Ben Laurent, je suis parti en vacances avec lui quand on était jeunes. Et moi, ça me fait plaisir de le voir reprendre les rênes du club. C'est très, très compliqué. Moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Et c'était pas évident, parce que c'est vraiment la question que je me posais et que je me poserai toujours. Et Laurent a réussi à prendre ça, pour l'instant, j'ai l'impression, de main de maître. Et c'est une mission compliquée avec un père qui prend autant de place. Je pense qu'il me surprend et j'espère que ça va durer longtemps comme ça, parce que c'est quand même une grosse mission. Mais c'est Laurent, sa passion, c'est le football. Mais là, c'est plus de la passion, c'est de la gestion de club, c'est plus compliqué. Mais vu les résultats, vu le groupe qu'il y a, il faut continuer, mais il est sur la bonne voie. Laurent Robert, j'ai raconté l'histoire quand on a piqué la voiturette à Rodez et qu'on s'est planté avec Ibra dans les arbres.